Daniel chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois cornes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du mulet d'ailes et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit sur sa scie. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait, coulait et sortait de devant lui. 1 000 000 le servaient, et 10 000 000 se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, et à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approché de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces quatre animaux sont quatre rois qui se lèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible et qui avait des dents de fer et des ongles des reins, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'elle avait sur la tête et sur l'autre qui était sorti de devant laquelle et devant laquelle trois étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tout le royaume, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume.
un autre se levera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera les trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire 3 ans et demi. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Très-Haut, des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et toutes les dominations le serviront, tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finissent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Amen. Il est question ici de la conservation de la parole de Dieu dans nos cœurs. Conserver ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous dit. Pourquoi? Parce que bien sûr l'ennemi cherche à voler toutes les choses que Dieu nous donne. Amen. Et ce que Daniel a vu, nous sommes en train de le vivre, bien sûr. Et il était troublé, nous dit-il, quand il a vu ces choses. Il a été, par la grâce de Dieu, transporté jusqu'à notre époque. Il a vu des choses qui l'ont troublé. Et il a vu la fin du temps, la fin de temps. Il a vu le règne des hommes, il a vu tout, l'ONU, le nouvel ordre mondial, il a vu le gouvernement mondial, il a vu et toutes les agences de l'ONU, le FMI, tout. Daniel, Dieu lui a montré tout ça. Il était choqué parce que vous imaginez avoir de telles informations au même moment, au même instant, d'un seul coup. Et il ne pouvait pas, bien sûr, les supporter. C'était énorme. Et il a vu les 10 royaumes les plus puissants de la terre, les 10 cornes de cette bête. Et il a vu cette bête, cette corne, faire la guerre aux chrétiens authentiques, pas aux religieux, mais aux vrais chrétiens. Amen. Comme vous le savez, être chrétien, ce n'est pas aller dans les assemblées. Ce n'est pas forcément ça. Être chrétien, c'est suivre ce que Dieu dit. Si Dieu dit qu'il ne faut pas être idolâtre, il ne faut pas être idolâtre. Gloire à Dieu. Juste un exemple par rapport à l'idolâtrie. Quelqu'un qui vient qui dit, moi je veux absolument que ce frère prie pour moi. C'est l'idolâtrie. Ce n'est pas correct. Et quand c'est comme ça, on ne priera pas non plus. Amen. Non. Alléluia. Amen. Je vais adorer Dieu et j'accepterai, voilà comment un chrétien peut parler. Je vais adorer mon Dieu et je ferai tout ce qu'il me dira. Parce que Dieu peut passer par quelqu'un qui vient à peine de se convertir pour nous guérir. Vous voyez, quand on est idolâtre, eh ben, on pousse les pasteurs, les prédicateurs à devenir gourous, à vous manipuler. Et ça, c'est pas. Il faut faire très attention là-dessus. Et on peut aussi le faire partir plus tôt. Et on ne veut pas partir plus tôt au ciel parce qu'il y a encore un grand travail à faire. D'accord ? Quand des frères me disent, ah, il y a telle personne qui va tourner sur toi qui prie ou un tel, je dis, je ne prierai pas. Non. On doit vraiment s'attendre au Seigneur. D'accord? D'accord. Gloire à Dieu. Alors, Daniel nous dit la parole. Quand il a vu cette vision, quand il a vu toutes ces choses, un seul animal sur les 4, il y en a un particulièrement qu'il avait interpellé et il voulait connaître, comme il le dit lui-même, la vérité sur cet animal qui n'est autre que, n'est-ce pas, Rome, bien sûr, et aujourd'hui, ben, c'est l'Europe précisément. Et vous le savez certainement que c'est l'Europe qui gère le monde. Même si on dit que sont les États-Unis, en fait c'est l'Europe. Parce que ce sont des familles princières européennes qui gèrent le monde. Voilà. Même les États-Unis sont gérés par l'Europe. Ça, il faut le savoir.
les grosses familles, les Rockefeller, la fondation Ford, tout ça. Donc, il ne faut pas non plus oublier que les Américains blancs de souche et blancs sont originaires, n'est-ce pas, de l'Europe. Donc, vous voyez, c'est le quatrième animal. Et c'est le continent qui a connu plus de réveils dans l'histoire, bien sûr, de l'Église. La Bible, la première Bible a été imprimée. Hein, la première Bible imprimée a été ici en Europe. Vous voyez ? La réforme qui a amené une espèce de tsunami dans la chrétienté, hein, qui a été comme un tsunami dans la chrétienté, ben, a été, n'est-ce pas, initiée par les Européens. Dieu a se servi des Européens. Luther, Calvin, comme vous le savez, des gens Huse, de Guillaume Farel. Et voilà. Donc vous voyez que ce continent a reçu un appel assez particulier. Donc, et là, ben justement, Daniel a vu ce continent étendre ses tentacules, tout ça, sur les nations. Et voilà. Et il était choqué. Il était effrayé quand il a vu ces choses. Et il a vu, comme on dit, comme il est écrit ici, qu'une petite corne s'était levée. Et cette corne faisait la guerre aux chrétiens. Bien sûr, il est question de... cette corne représente deux choses. Premièrement, le système. Un système. Et un système que les hommes ont mis en place, bien sûr, inspiré par le diable. C'est le système politique. Bien assis, bien établi. Donc c'est un système maçonnique, bien sûr. Et voilà. Laurent, est-ce qu'on peut s'occuper de l'enfant là-bas, comme ça on va prier pour lui après, s'il vous plaît. Parce que je vais donner cet enseignement que le Seigneur me donne là pour... on a besoin de l'enseignement. Et là il y a quelque chose qui l'agite, qu'on s'en occupe d'abord, c'est possible d'équiper où? Les anciens, c'est Charlie, voilà, on va s'occuper de lui là-bas pour la prière, d'accord? Merci. On va déjà commencer pour et je prierai pour lui à la fin. C'est un enfant qui souffre. Ancien Charlie, tu peux déjà commencer à prier pour cet enfant-là, s'il te plaît. Parce que cet enseignement est capital, il faut avoir les oreilles ouvertes. Amen. Ce n'est pas la guérison qui nous importe d'abord, c'est la parole. Il faut être enseigné. Parce que si on ne connaît pas, si vous ne savez pas en quel temps nous sommes, même si vous êtes guéri physiquement, ben, la mort va vous attraper un jour et partir de l'autre côté. Donc, je disais que la corne que Daniel a vue, qui avait une grande apparence, qui avait une bouche qui parlait avec arrogance, cette corne, nous dit-il, faisait la guerre aux saints. Et elle avait, n'est-ce pas, vaincu les saints. Donc cette corne, bien sûr, représente d'abord le système politique, le système dans lequel nous sommes, le système dans lequel nous sommes nés, vous et moi, et grandis, le système aussi de l'éducation nationale, tout ça, tout ce que l'homme a concordé dans le secret de concert avec le diable pour formater les hommes. Ce système, le système humain. On ne peut pas s'y échapper. On est dans ce système tous. C'est un système impie. Quand on parle de l'antéchrist, la corne c'est l'antéchrist, ou l'antéchrist, eh ben, c'est d'abord un système. Ce système provoque, n'est-ce pas, la division entre les peuples. Ce système, n'est-ce pas, établit des lois. Ce système dit... Par exemple, tel peuple est moins important que tel autre. Et ça, c'est dès le bas âge que les gens sont inculqués, n'est-ce pas, enseignés dans ce sens. Ils sont programmés. Ce système, vous savez, comme les ordinateurs, ceux qui ont conçu les ordinateurs, là, tout ça, là, c'est la même chose. Hein. Ils voient les hommes, dans ce système, les hommes sont comme des machines qu'il faut programmer, déprogrammer. Amen. Dormez pas.
Gloire à Dieu. Mes yeux regardent un peu le ciel. J'ai vraiment à cœur d'enseigner ces choses aujourd'hui. Et ce système provoque la division. Vous savez, le diable fonctionne comment? Il vient, il divise et il est au milieu et il règne. Même avec ses démons, il les divise comme ça. Chaque démon va voir le diable pour accuser l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce royaume. Il y a une forme d'unité comme le Seigneur l'a dit. Mais en même temps, ils ne s'aiment pas parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. Et dans ce système, c'est ça. Voilà. Dans ce système antichrist, avec un bout de papier, on te donne de la valeur. Ce qu'on appelle le diplôme. On te programme et à la fin de ta formation programmée, hein, bien avant ta naissance, on te sanctionne avec un diplôme et ce papier-là te donne de la valeur. Et avec ce papier, les hommes se glorifient. Vous voyez le système? Et dans ce système, la répartition des biens n'est pas faite avec équité. Parce que pour votre information, seul 5% de la, n'est-ce pas, 5%, en fait 80% de la richesse de la terre terrestre, n'est-ce pas, 80% sont possédés par 5% d'hommes. Et sachant que nous sommes 7 milliards aujourd'hui sur terre. Donc ça veut dire que s'il y avait de l'équité, de la justice, il n'y aurait même pas, n'est-ce pas, de chômage. Parce que tout ça là, ce sont des histoires. Il n'y aurait même pas, n'est-ce pas, en fait, tout le monde mangerait à satiété, mangerait à sa faim. Voilà le système comment il est conçu. Il faut qu'il y ait des degrés, de niveaux. C'est la pyramide, voilà, c'est la franc-maçonnerie. Il faut qu'il y ait des degrés, à 33 degrés. Donc, tout le monde ne peut pas être, et ne doit pas être au même niveau. Voilà le système. Et Daniel a vu toutes ces choses. Le système te fabrique. D'abord, ce système te façonne. Ensuite, il façonne et ta compréhension des choses, ta manière de voir les choses. Et t'impose les choses de manière très subtile et tu finis par les accepter comme une évidence, voire comme la vérité. Alléluia. Et le deuxième aspect de la corne, bien sûr, c'est un individu qui va se présenter, qui viendra au devant de la scène mondiale, bien sûr, cet individu est déjà sur terre. Les apôtres en ont parlé, le Seigneur en a parlé. Dans Jean chapitre 5, il disait aux pharisiens, je suis venu au nom de mon Père, au verset 43, vous ne m'avez pas reçu, quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Il parlait de l'antéchrist. Voyez? Et vous verrez que dans chaque société, dans chaque civilisation, dans chaque culture, eh ben, dans chaque peuple, vous allez voir qu'il y a une attente. Il y a l'espérance de la venue d'un Messie, d'un Sauveur. Partout. Parce que c'est Dieu qui Dieu a révélé sa parole. Dieu nous a annoncé que le Messie allait venir. Eh ben, l'ennemi, comme il aime bien sûr singer le Seigneur, il propose aussi des messies, des sauveurs. Le système antéchrist. Et ce système, comme vous le savez, en fait, la majorité de nos assemblées et la majorité des chrétiens d'aujourd'hui sont dans ce système-là. Antéchrist. C'est tout ce qui se lève contre Dieu. D'accord? Je prends un exemple. Le fait de dire que je veux absolument que ce soit ce monsieur qui prie pour moi, tu es dans ce système antichrist. Donc par ton comportement, tu deviens contre Christ. Tu t'opposes à Christ. Voyez, parce que dès le bas âge, on nous a appris à dépendre toujours des hommes. Mon médecin, mon psy, mon maître, mon machin, mon... C'est cette dépendance-là. On a été, jusque dans les eaux, là. On a été formé comme ça, là, formaté.
Et vous pouvez sortir quelqu'un d'un lieu physique pour l'amener ailleurs, mais le sortir du système dans lequel il est impliqué, enfermé, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Vous prenez quelqu'un qui est un gourmand, par exemple. Un gourmand qui se trouve dans une pièce où il y a nourriture, il y a beaucoup de nourriture. Ben, il n'arrête pas de manger sans cesse, il mange, vous voulez le délivrer, ben vous l'enlevez de là physiquement, vous l'enchaînez, c'est bien, il va plus manger. Mais par contre, la gourmandise, vous ne pouvez pas l'enlever de son cœur. La convoitise que la personne a vis-à-vis par rapport à la nourriture. Donc vous voyez, ce n'est pas évident. Et Daniel, quand il a reçu ces choses, il était dans un pays où il y avait ce système, justement, Babylone, le premier empire, où il fallait, au son de la musique, tout ça, se mettre à genoux, se jeter par terre, n'est-ce pas, littéralement, et adorer la statue que le roi Nebuchadnezzar avait faite. Parce que tout le monde devait l'adorer. Vous voyez, dans le système religieux, dans le système impie, antichrist, vous ne pouvez pas aller à contre-vent. Si vous allez à contre-vent, vous devenez automatiquement, n'est-ce pas, méchant, rebelle, et sorcier, magicien, faux. Voilà. Voilà le système, comment il est conçu. Un exemple. Vous mettez deux ascenseurs devant. Hein, vous prenez quelqu'un, vous l'amenez, vous le mettez devant un ascenseur, devant deux ascenseurs. Vous avez deux ascenseurs, un ici, un autre ici. Vous mettez devant le premier, trois personnes devant qui attendent. Et devant le deuxième, il n'y a personne. Et si vous envoyez une foule de gens dans cette pièce, vous allez voir que tous, instinctivement, vont se retrouver derrière les trois personnes. Voilà le système. Voyez? Et Dieu, justement, quand il vient nous sauver, il nous sort. Il dit aux apôtres, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Allez comprendre cette parole. Ça veut dire que celui qui se dit chrétien, enfant de Dieu, doit comprendre qu'il n'est pas du monde. Et parce qu'il n'est pas du monde, automatiquement, il va être persécuté sans cesse, tout le temps. Sans relâche. Ce n'est pas parce que vous avez quitté une église physiquement parlant que le système n'est pas en vous. Non. C'est pas. Les Hébreux ont quitté physiquement l'Égypte, on le sait. Ils étaient dans le désert avec Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont matérialisé l'Égypte dans le désert. C'est terrible. Et alléluia. L'arme, une des armes les plus efficaces utilisées dans ce système pour nous éduquer, bien sûr, c'est la télévision. Ça, on le sait. C'est Hollywood, la marque, l'image de la bête. Vous savez, dans Apocalypse, il est dit qu'il lui a été donné de mettre un esprit, littéralement, pas d'animer, mais de mettre un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Donc, c'est un démon qui est derrière l'image de la bête. Et vous savez que nous sommes dans une époque où, n'est-ce pas, où nous sommes attirés par les images. Et le Seigneur, justement, disait aux enfants d'Israël, vous n'aurez pas de représentation, vous ne ferez pas d'images, hein, des choses d'en haut, tout ça, là. Donc on a besoin, l'homme a besoin d'images. Et qu'est-ce qu'on nous projette? Ben, on te dit, femme, voilà l'homme qu'il te faut. Et la femme mariée se dit, voilà l'homme qu'il me faut, chérie, sois comme cet homme-là. Tu as beaucoup grossi. Vous allez voir, mais je vous dis, vous le savez, non? Ah oui? Les acteurs de cinéma, tout ça, qui sont comme des modèles, les jeunes filles qui ont pour, n'est-ce pas, modèles, ces chanteuses américaines, tout ça, c'est... Voilà. Ta manière de t'habiller, tu t'habilles comme ça par rapport à qui? Pose-toi la question. La manière de te maquiller, c'est par rapport à quoi? Par rapport à qui?
Et si on commence à faire un examen de conscience, on va s'apercevoir que, on a plein d'idoles comme ça, là, que le système nous a imposées. Et cette bête, on la voit se mettre en place aujourd'hui. Plus ça va, plus elle prend de l'ampleur. Et je voudrais dire aux chrétiens de la part du Seigneur, mes amis, que ça va être très très difficile pour les vrais chrétiens. Parce que le vrai combat là, c'est pas contre les démons, ce combat a déjà été remporté. Vous chassez un démon au nom de Jésus, ça en va, on le voit. Mais le vrai combat là, c'est d'abord contre la chair, parce que la chair aime le système antichrist. C'est contre toi-même, parce que la chair aime le monde. Il y a une lutte en permanence. Prends, ne prends pas. Regarde combien de fois ta chair t'a fait fumer. Combien de fois ta chair t'a fait manger alors qu'il ne fallait pas manger. On se trompe souvent de combat parce qu'on se voit, les démons, oui, on les chasse, mais ce n'est pas ça le vrai combat. Ils ont déjà été vaincus. La puissance que les démons ont souvent, là, c'est la puissance que notre chair leur donne. Amen. Et je vis cette corne faire la guerre au sein. Donc ce système impie est un système qui combat l'Église. Donc ça veut dire que la vraie Église ne peut pas s'associer, s'afficher avec le système de ce monde. On n'a pas vu Jésus-Christ manger à la même table avec Hérode. Quand on lui a dit d'aller, de s'en aller, parce qu'Hérode voulait le tuer, il dit, allez dire à ce renard, je chasse les démons aujourd'hui, demain et après-demain, j'aurai fini. C'est-à-dire, j'ai 3 ans de ministère. Amen. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ici, mais les temps sont compliqués. Vous prenez un enfant qui est correct, qui est propre, qui est respectueux. Vous le faites habiter dans un lieu où le système est corrompu, où il y a vraiment n'importe quoi. Regardez comment la personne va devenir. Revenez la voir 3 mois après. Le langage change, la démarche change, sa tenue vestimentaire change. Voyez, le système des hommes. Et la guerre est engagée depuis. Vous savez, les vrais chrétiens ont toujours, les croyants ont toujours été persécutés. Le premier martyr de la Bible, c'est qui ? Abel. Amen. Je voudrais nous partager sur la guerre que nous sommes en train de livrer. Parce que ce système-là, ça va aller. Vous allez voir dans les prochains, même pas les années, là, dans les prochains mois, là, on va vous imposer vraiment la puce. Là. Ça va être obligatoire. L'argent liquide, là, ça va disparaître. Dans les prochains, vous allez voir ça. Vous savez qu'avec ça, vous le savez déjà, avec votre portable, même éteint, on peut vous localiser. Même si la batterie est HS, on vous localise avec la puce. C'est pas un problème, ça. On est content d'avoir la modernité, la technologie avancée, GPS, tout ça, là, mais on nous trace, on nous piste, on nous... Voilà. Alors, dans ce système antichrist, comment ils font pour pouvoir asseoir un certain nombre de choses, de lois? Eh bien, ils provoquent bien sûr des choses. Ordo ab chaos. Ils provoquent des chaos, des situations, et les gens sont en panique. Ils reviennent nous voir avec des lois, et puis on les acclame comme des sauveteurs, comme des sauveurs, et on est heureux. En fait, on devient esclave.
Regardez, quand on dit fumer tue, on écrit ça sur les paquets de clopes. Mais pourquoi ne pas carrément fermer toutes les entreprises voilà, du tabac? Voyez bien que l'industrie du tabac, pourquoi ne pas le faire? Vous voyez que c'est le système. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi, n'est-ce pas, je vous dis les choses selon la parole, nous sommes dans la parole là. Il faut réguler la démographie. Hein, la démographie. La démographie, donc il faut réguler, il faut ajuster parce qu'il y a trop de monde, il faut qu'il y ait assez de morts, il faut qu'il y ait. Voilà le système antichrist. Dieu dit tu ne tueras pas. Mais si on dit qu'il ne faut pas que les femmes avortent, ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait. Voilà, il faut réguler la démographie, tout ça. Là. Cousteau disait que par jour, il faut tuer au moins 300 personnes. 300 000. Pour réguler un peu. Là. Il y a trop de monde, après, il n'y aura pas assez de nourriture. Voilà le système antichrist. Un système qui se dresse contre Dieu. L'homme a toujours été comme ça. Voilà pourquoi vous avez le chiffre de la bête, le nombre de la bête. Hein, le 666. Pourquoi 3-6? Parce que l'homme a été créé au sixième jour. Le nombre 6 dans la Bible a toujours été le nombre de l'homme. En l'an 600 de Noé, Dieu envoie le déluge. Voyez? Eh bien, pourquoi 3-6? Il y a le dragon, il y a la bête, donc l'homme impie, et là vous avez le faux prophète, la papauté. 3-6. C'est-à-dire la triple rébellion de l'homme contre Dieu. Et nous sommes dans une génération où l'homme est tellement rebelle vis-à-vis du Seigneur. Et Paul le dit d'ailleurs, à la fin de temps, Paul disait, dans les derniers jours, les hommes seront rebelles à leurs parents, à leur père, à leur mère. Et c'est ce que nous voyons. C'est un combat. Fumez-tu? Mais c'est simple, on ferme les industries, on trouve d'autres solutions. Vous allez voir que ça, c'est tellement. Quand il y a le mal, il faut, hein, on enlève. Mais on ne peut pas, parce qu'il y a des lobbies. Il faut. Vous voyez? Voilà le système. Je regardais les informations hier. Un couple de Français était, comment dire, condamné parce qu'ils ont refusé de faire vacciner leurs enfants. Voyez le système? L'éducation, bien sûr, nationale. La Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est les parents qui doivent d'abord éduquer les enfants. Oui, vous avez même dans vos églises, là, vous avez des moniteurs d'école le dimanche là, à qui vous envoyez vos enfants pour qu'ils les éduquent. Vous, vous faites quoi? Vous êtes tellement devenu irresponsable que vous voulez que les autres éduquent vos enfants en matière de la prière, de la religion, tout ça, alors que c'est à vous de le faire. Mais on est tellement après le ministère dans nos églises. Là. Les gens courent tellement après le micro. Oh, moi j'ai un grand ministère, j'ai un appel, j'ai la connaissance. Mais vous pensez que c'est ça le plus important, là? La vraie connaissance, ce n'est pas quand on a des versets dans la tête. C'est quand on a la relation avec Dieu. C'est ça que Dieu veut. Le reste, là, c'est que des choses. Satan a une grande connaissance, mais il n'est pas avec Dieu. Alléluia. Tout le monde était là, Ben Laden, mais qui l'a fabriqué ce monsieur? C'est la CIA. Voyez? Pour qu'il y ait l'équilibre, le bien, le mal. D'un côté, il y a la peur du terrorisme, et de l'autre, il faut des lois pour des caméras partout pour nous surveiller, tout ça. Voilà le système, comment il fonctionnait. Comme ça, tout le monde est géré, tout le monde est contrôlé, tout le monde est maté. Comme ça, ça passe. Et bien, dans le système religieux, c'est la même chose. Pour que les gens donnent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur faire peur. Si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudits. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils ont peur de la malédiction. Ils ont tellement peur que leurs finances soient maudites. Comme ils sont idolâtres d'argent, ils aiment l'argent, le dieu Mammon. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner. Ils deviennent automatiquement des esclaves des personnes à qui ils payent leurs impôts. Amen. Pareil.
On dit non, non, il faut dépendre d'un pasteur, il faut aller voir ton pasteur. Mais ça fait combien de temps que tu es chrétien? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Et tu as toujours besoin de chercher un pasteur, mais tu n'as pas compris que depuis tous ces temps-là, il faut que tu cherches plus Dieu que les hommes. Voilà le système religieux. Vous courez après les bishops, les prophètes. Vous courez après, vous allez dans les mers, dans les fleuves, les rivières pour chercher un dominateur. Un oppresseur. Heureusement qu'on arrête ici le 6. Comme ça, je vais suivre encore le Seigneur seul autrement. Ah ouais. Les gens disent, on fait quoi? Je leur dis, moi je fais quoi? Moi-même, je cherche mon salut aussi. Ah ouais. Personne n'est arrivé. Hein? Ce n'est pas un arrêt hein, ici, là. Ce n'est pas la destination. Non. Parce que vous avez des destinations terrestres là que vous devenez des religieux. S'ils avaient en vue les pays d'où ils étaient sortis, nous dit la parole, ils auraient le temps d'y retourner. Vous voulez que je parle encore ou c'est... Amen. Ok, de toute façon, je n'ai pas le choix. Hein? Oh non, il m'a abandonné. Dieu n'abandonne qui? Dieu abandonne qui? Personne. Donc si Dieu ne va t'abandonner, eh bien, ne dis pas que oh non, les hommes m'ont abandonné. Même s'ils t'ont abandonné. Toi, continue avec Dieu. Excusez-moi, là, quand ça sort comme ça, là, ça se pense. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis, là, parce que c'est... On casse tout à chaque fois. Là. Alléluia. Amen. Le système des hommes, le système antichrist, aussi bien dans le monde que dans nos assemblées. Voilà le système. On est fiers d'être membre d'une chorale. Ils sont fiers d'être membre d'un groupe. Je parle à la répétition. Dimanche, nous allons chanter, nous allons d'abord répéter. Vous allez répéter, vous allez chanter devant les idolâtres qui sont là pour vous acclamer. Non, non, on n'acclame pas. Il ne faut pas m'acclamer, moi. Il faut pas qu'on acclame le Seigneur, mais il faut écouter. Gardez vos mains. Alléluia. Nous avons affaire à un système religieux, politico-religieux, derrière lequel il y a des démons que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et beaucoup de chrétiens vont en enfer parce que le Seigneur dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que ceux du royaume. La négligence. On cherche les églises. Qui vous a dit qu'il faut chercher les églises? Voilà le système religieux. Ah, je n'ai plus d'église, j'en cherche une. Mais vous n'avez pas compris que Dieu dit cherchez-moi. Il n'a pas dit chercher l'église. C'est pour cela que quand on ferme, quand on dit ici c'est fini, vous dites on fait quoi? Mais vous allez faire quoi? Avant qu'on se connaisse, vous faisiez quoi? Dis à ton voisin, le système. Voilà pourquoi des femmes mariées même courent après ces bishops et deviennent leurs maîtresses. Les maris se sentent en concurrence. C'est souvent vous les femmes les plus sentimentales, les plus, je sais pas, c'est pas possible. Je crois qu'en enfer aussi, il y aura beaucoup de femmes. Mais je vous dis la vérité. Les hommes, ça c'est sûr, mais les femmes aussi. Non mais écoutez, je ne suis pas misogyne. Nous voulons être bibliques. Amen. Qui a été le premier à manger, la première personne à manger le fruit? Ne me lapidez pas les sœurs, s'il vous plaît. Je dis ce que dans la parole. Moi je. Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. Le système. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on en parle encore? Amen. Non, non. Vous aimez les postes. Voilà le système. Vous donnez un poste à quelqu'un. Il est fier. Il est tout content. Vous l'enlevez de là. Il va vous détester jusqu'à vous tuer de regard. Voilà le système.
Toi, mon ministère à moi, c'est quoi? C'est, je suis dans, moi, je m'occupe, je suis chanteur. Eh bien, moi, je suis chef de chorale. Moi, je suis chef de protocole. Ah bon? Eh bien, moi, je suis celui qui porte la Bible pour les Africains de mon pasteur. Et il est content d'être esclave de son pasteur. Voilà. C'est impressionnant. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi, mais vous devenez vous-même esclave. Vous allez voir des bishops pour dire, non, mais j'étais avec lui, j'ai parlé avec lui pour impressionner les autres. Vous n'avez rien compris. Non, j'ai parlé avec lui, mais c'est lui qui m'a dit, vous mentez. Vous servez des hommes pour asseoir vos visions. L'homme est terrible. Dieu dit à l'homme, tu ne voleras pas, mais l'homme vole. Et pendant qu'il vole, il se cache croyant que je ne le vois pas. Avant de venir, tu as fumé, non? Est-ce que tu peux te voir, te représenter devant le Seigneur en train de fumer devant le trône? Non. Vous voyez comment nous sommes? Mais quand tu, avant de rentrer, si tu prends le chewing-gum. Alléluia. Amen. Mm-hmm. Oh Dieu, sauve-nous. Le système. Beaucoup de frères et sœurs d'origine africaine ont des gourous, des prophètes au pays à qui ils envoient l'argent pour recevoir des prophéties. Et vous venez nous voir pour la prière, vous dites non, priez pour moi, pour mon entreprise. Mais moi, je prie pour ton entreprise, mais ça va commencer comment? Je n'ai pas été établi pour faire ça. Dieu dit dans Josué 1 que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Mais dites-le comment? Pourquoi? Afin que tu réussisses dans quoi? Dans tout ce que tu vas entreprendre, vrai ou faux? Mais il n'a pas dit, allez chercher un prophète qui prie pour vos entreprises. Il a dit, méditez la parole. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas dans quelle langue Dieu doit nous parler. Même quand il nous parle dans des langues d'anges, il nous donne aussi l'interprétation. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Mais les hommes, nous avons des problèmes. Je vous dis, si Dieu n'était pas amour là, il allait tous nous foudroyer, tous. On serait tous morts. Moi le premier. Il ne faut pas croire que je suis accepté, hein? Une exception. Hein? Ah non. Tout le monde a le même panier, hein, mes amis là. Ah ouais. L'homme, le système. Vous avez vu le système antichrist? Pour toucher vos cœurs, l'homme doit faire tout pour pas voir l'apparence. Mettre une soutane pour vous impressionner. Alors que la même soutane, vous pouvez aussi vous la procurer. C'est aussi simple que ça. Mais la même soutane divinise l'homme et vous commencez à l'adorer. Avec un bout de tissu que vous pouvez vous procurer facilement. On va être nettoyé de l'idolâtrie avec la parole. Je vous dis, au nom de Jésus de Nazareth. Tu es là, tu manges tous les jours. Mais la Bible, tu ne la médites jamais. Tu es occupé à regarder les théâtres de chez nous pour les Congolais. Tu es accoutumé à regarder les séries à gauche à droite. Hein? Le feu de l'amour. Même quand tu travailles, il faut qu'on te les enregistre, ces séries. Tout ça. Mais la Bible, jamais tu vas prendre du temps pour la méditer chez toi. Qui peut faire 3, 4 jours sans méditer? Levez les mains, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Non, n'ayez pas honte. Je sais qu'il y en a plus que ça. Voilà, mes amis. Alors dites-moi, comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Voilà. Je ne suis pas en train de rentrer dans le détail là, par rapport à Daniel 7. Mais c'est simplement pour sortir quelque chose de la part du Seigneur. Hein, pour vous montrer à quel point le système impie nous empêche d'aller vers Dieu. Ce système fabrique des monstres. Ce système nous pousse à combattre Dieu.
On va parler de la sexualité à l'école pour aux enfants de 3 ans. Mais quel est le rapport entre... Vous vous rendez compte, le système impie? Ça, c'est pas l'affaire des gens, c'est les parents qui doivent s'en occuper pour faire le point avec les enfants. Là. Voilà le système. Et les parents sont tellement démissionnaires aujourd'hui. Ils sont occupés à travailler comme des malades pour rembourser les dettes. Même pour avoir un stylo, il faut faire un prêt. Voilà le système. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui le prête. Vrai ou faux? C'est pas moi qui le dis. Ah. Surtout nos frères qui sont en Amérique, Canada, États-Unis, avec toutes ces cartes, mes amis, de retrait, tout ça. Mais c'est impressionnant. Il y a des gens au Canada qui font faillite personnelle. Mais je vous dis, au Canada, c'est un système avec des points. Plus vous vous remboursez, plus vous êtes accepté, admiré, considéré, tout ça là. Et si vous n'arrivez pas à payer, mes amis, là, vous pouvez aller voir l'État pour dire j'ai fait faillite. Ma vie personnelle a fait faillite. Voilà le système. Le système monte. Les Martiniquais, les Guadeloupéens, hein, les uns contre les autres. Voilà le système. Guadeloupe, Martinique d'un côté, haïtien de l'autre, guerre. Antillais, africain, guerre. Blanc, noir, guerre. Noir, arabe, guerre. Voilà le système. On nous dit, nous sommes tous sur la même planète. Hein. Pourtant, on est tellement divisés les uns contre les autres, mes amis. Là. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous quitte, qui empêche que la terre explose. Vrai ou faux? Voilà. Les gros d'un côté, les minces de l'autre. C'est, on ne sait plus. Dans le système, là, maintenant, il faut fabriquer l'homme modèle, l'homme parfait. Mais le problème, c'est que ça n'existait pas. Donc, du coup, ben, les médecins viennent, ils nous proposent, hein, du bistouri, tout ça, là, ben, on peut se faire remodeler. Mais regardez ceux qui font ça, là, mes amis, après 60 ans, 70 ans, là, ça tombe. Ça dégouline. Voilà. Alléluia. Le système te dit, oh non, mais t'es ni femme, ni homme, et eh bien tu es le troisième genre. Voilà, choisis ton sexe. Le système impie. Il lui a été donné de faire la guerre au sein et de le vaincre. Le système te dit, t'es pasteur, eh bien, il faut que tu sois avec les pasteurs, rentre dans une fédération pastorale. Là, tu vas t'accepter. Et ils sont tous fiers avec leurs costumes et cravates. Ils sont dans une fédération, ils sont heureux. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont esclaves. Et quand on parle comme ça, on dit non, il est fou, c'est un sorcier, c'est le méchant, c'est le diable, c'est l'antichrist. Voilà le système. Le système te dit le bien, c'est le mal. Et ça, il le dit dans Ésaïe 5, 20. Le système. Tu regardes la télévision, tu vois une pub qui passe. Oh, cette montre là, je la veux. T'as pas l'argent, le système. Les chaussures, je le veux, chérie, je le veux. Le système. Le système te dit, la femme paye le loyer, le mari perd le loyer, la femme fait les courses. À la fin du mois, les deux conjoints s'asseyent ensemble, l'un contre l'autre, devant l'autre. Chérie, tu as payé ce mois-ci le loyer? Non, je n'ai pas encore payé. Mais il faut payer le loyer ce mois-ci, là, chérie, là. La pression commence. Le système. Le système te dit, chérie, tu as ton compte, moi j'ai mon compte. Mais on s'aime, n'est-ce pas qu'on s'aime? Voilà. Quel amour. Le système nous divise. L'argent est au milieu. Il n'y a plus l'amour. La femme que tu aimes là, quand dans elle commence à voir 2000 euros, tu vas voir toi tout jouissant là, tu vas voir. Tiens, toi, le système est impie. Est un système impie. Alléluia. Ben je vous dis. Quelqu'un qui n'a rien, il est heureux, il est simple, il est bien avec tout le monde. Il salue tout le monde à la rue parce qu'il n'a rien, il est pauvre. Donne-lui 1 million. Voilà le système. Fini. De manière globale, hein, c'est fini. Ça rend fou.
C'est pour cela que le Seigneur a dit, si vous voulez être sauvés, il faut devenir comme des petits enfants. Sinon, vous n'entrerez pas. Le système te dit, tu ne dois pas sortir de chez toi sans les mèches. Même si tu dois aller faire des courses chez le voisin, à côté, là, chez, aller acheter du pain, prends ta, hein, ta perruque. Alléluia. Tiens ton voisin, le système. Qui est concerné? Alléluia. Tiens ton voisin, il nous faut l'évangile. Voilà. Quelqu'un qui va faire une petite course chez le voisin à côté, hein, chez, voilà, prend son maquillage, tant, parfum, tant, dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là, tout ça là? Le système. Je ne dis pas que c'est un péché, mais vous comprenez à quel point on est esclave des choses. Hein? Là, le système. Le système te dit, à midi, tous les jours, il faut manger. Même ton corps se soumet au système. Et même quand tu n'as pas d'horloge, quand tu n'as pas de montre avec toi, mais quand il est midi, ton cœur connaît l'horloge interne. À l'horloge interne, ton corps te dit, tu sens dans ton ventre, alors que Dieu te dit, jeûne. Alléluia. Tiens, ton voisin, nous sommes souvent rebelles. Voilà. Alors, frère, vous comprenez que la guerre est engagée. Parfois, on cherche le diable. Parfois, le diable, il doit dire au Seigneur, mais tes enfants, là, toujours, c'est le diable. Hein? Alors que je suis aux États-Unis en train de m'occuper de mes affaires. Eux, ils sont là-bas en Chine, c'est le diable. Je vous dis la vérité, on est tellement devenus, mes amis, comment dire, accusateurs. Vous pensez que les démons, ils doivent dire au Seigneur, mais attends, mais c'est pas nous, là. Eux-mêmes ont des problèmes. Et c'est nous, tout le temps, nous. C'est pour cela que vous aimez, quand on vous définit les démons, machin, démons de montagne, démons du ciel, il faut parler aux démons qui sont à la lune. La lune est là-bas tranquille, il faut la laisser tranquille, la lune. Vous allez faire des prières de minuit à trois pour parler à la lune. Pourquoi? La lune a retenu quoi? Vaut bien le système. Le système est tel que quand un chrétien noir voit un frère français passer, il ne voit même pas le salut. Il n'est pas méchant, hein, mais il ne le voit même pas. Alors qu'il est blanc. Un jour, j'étais dans une... Vous rigolez, mais c'est la vérité. Vous êtes là, vous faites semblant, là, chrétien. Vous allez, on est touché par l'onction. Quand vous voyez un français là-dessous, je l'ai à côté, est-ce que vous vous arrêtez pour le saluer? Ou vous dites, non, il n'est pas chrétien, là on ne peut pas l'évangéliser. Quand vous allez évangéliser, vous les noirs, là, vous rencontrez un blanc, là, est-ce que vous allez vous arrêter pour l'évangéliser? Vous allez dire, non, ou inversement, les blancs, tout ça, là. Est-ce que vous savez comment le racisme de part et d'autre? Voilà le système religieux. D'accord? Le système. Voilà aussi le système. C'est-à-dire, on se sent tellement visé qu'on veut se défendre. Voilà le système. L'homme est comme ça. Tout de suite, on se sent acculé. C'est un fruit de l'orgueil. Parce que si tu n'es pas dans ça, tu es dans autre chose. Donc tout le monde est concerné. Le système est tel que on veut tout le temps réagir. Ah non, c'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Mais si tu n'es pas dans ça, tu es certainement dans la colère, dans le mensonge, dans la convoitise, dans le péché de la nourriture. Tu es concerné, ma soeur. Donc il faut te taire et te repentir. Ici, c'est tout le monde est concerné, moi le premier. Voilà. On ne vient pas pour les miracles, on vient pour entendre la parole qui nous sauve. Je sais qu'en parlant ainsi, là, je ne vais pas avoir d'amis. Mais de toute façon, mon seul ami, c'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là, le reste, là, c'est ma pensée, ma prière, c'est que tous ceux qui aiment le Seigneur soient sauvés. Allez, tout le monde. Voilà. Le système est établi comme ça.
Dans ce système, les femmes ne sont plus femmes. Les hommes ne sont plus hommes. Bon, d'ailleurs, on le voit. Qui sont ceux qui gèrent maintenant les maisons? C'est les femmes. Les hommes, on les voit où, les hommes? Beaucoup ont démissionné. Pour s'occuper des enfants, leurs devoirs, pour écouter les enfants, parler avec les enfants, ils n'ont plus le temps. Très peu. Chérie, il faut travailler parce que ce mois-ci, il faut payer le loyer, il faut aller travailler, chérie. Tu es toujours en train de dormir, le système. Le système est tel que le chômage, là, mes amis, là, vous savez, en Belgique, je suivais les informations, là, on peut être payé, si on n'a pas de boulot, on peut recevoir une indemnité de chômage pendant 4 ans. Mais comment voulez-vous que les gens cherchent du boulot? Le système est tellement impie que si vous travaillez, vous gagnez moins, si vous êtes au chômage, vous gagnez plus. Vous ne voyez pas que le système est quelque chose qui... Vous ne vous rendez pas compte? Tiens, ton voisin, nous avons besoin de Jésus. Voilà. Tu vois, dans certains pays, les jeunes femmes qui ont des enfants hein, sont déclarées femmes seules et elles ont beaucoup d'allocations. Alors comment voulez-vous que ces femmes-là ne fassent pas d'enfants sans les hommes presque? Ce que je vous partage là, c'est la parole qui doit nous rééduquer. On parle avec des frères, il y en a qui te disent, non, ma copine veut juste qu'on fasse des enfants comme ça, mais elle est déclarée femme seule, mais on habite ensemble. Mais il y a un problème là. Un cas comme ça, le frère, le jeune homme, il dit, moi je veux me sanctifier, je ne veux plus le péché. Il va voir sa copine pour dire, ils ont un enfant, je veux me marier. Elle dit, non. Ah non, je ne suis pas prête. Mais pourtant, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, qu'ils vivent ensemble. Sous un même toit. Mais elle n'est pas prête pour le mariage. Mais ils sont déjà dans le mariage. Vous rendez compte, frère, le système qui nous a vilis. Et quand Dieu vient nous parler, on dit non, ça c'est le diable. C'est le diable. C'est pas Dieu. Une sœur prie pour son mariage, une sœur africaine, et voilà en français le souche qui arrive, et il lui dit, moi tu me plais. Ah non, non, moi tu es frère, c'est vrai, mais système de ce monde qui met la séparation. Parce qu'elle s'est dit, non, mais comme moi je suis ivoirienne, il me faut absolument un ivoirien. Et pas seulement un ivoirien, mais ceux de ma tribu. Chrétien, tribaliste, raciste. J'ai reçu deux jeunes africains qui se marient aujourd'hui. Ils me disent, le frère d'abord qui est venu me voir avant, il me dit, ma belle famille m'a demandé 5 000 € de dot. 5 000 € avec 10 pannes pour le papa. Pour la maman, pardon, je ne sais pas comment les costumes pour le papa. Vous vous rendez compte comment, à quel point vous vendez vos filles africaines? Mes amis, mes frères et sœurs d'origine africaine. Vous êtes là, quand vous mariez vos enfants, là, vous allez prendre la dot là-bas, vous mangez, et vous venez vous acclamer, Dieu guérit nous, guérit. Mais vous vous moquez de qui là, mes amis là? Vous ne voulez pas sortir des traditions, des coutumes? Ils ont discuté, ils ont réussi à descendre jusqu'à 3 000 €. Je leur ai dit, tu vas donner 3 000 € en liquide comme ça, là, 3 000 € pour épouser une femme. Alors que la Bible dit, ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour les parents, mais aux parents d'amasser pour les enfants. Je dis, mais voilà le système qui... Ça, mais c'est la sorcellerie, ça. Vous êtes là, vous allez acclamer, oh, c'est la parole, prêche, papa. Je ne suis pas ton papa là déjà pour commencer, je suis ton frère. Alléluia. Tiens, ton voisin, nous avons besoin de la parole. Voilà. Aujourd'hui, la frère, c'est le nettoyage véritablement. On n'acclame pas là. Si on acclame Jésus, oui, mais pas moi. Je ne veux pas aller au ciel tout de suite, je veux d'abord finir ma mission. Alléluia. On ne doit pas rire, on doit se repentir. Vos enfants sont devenus de vos marchandises. Et vous levez les mains devant le trône. Dieu guérit-moi.
guéris-moi, je fais tout selon ta parole. T'es sûr que tu fais tout selon sa parole? Ta fille que tu élèves, là, tout ça, là, tu commences déjà à te réjouir parce que tu vas toucher 5000 euros, 3000 euros. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous demandez de l'argent comme ça à vos filles pour leur mariage, à vos futurs gendres? Eh bien, ce sont vos filles qui vont cotiser pour donner. Je cherchais l'argent. Je vous dis, la jeune femme m'a dit, elle a participé, vous vous rendez compte? Vous demandez à vos enfants? Non, mais c'est pour ça que j'ai autant de combats aussi, mes amis, parce que je me dis, je ne peux pas concevoir ça. Abraham a payé la dîme, c'est pas les parents non, pas Sarah. C'est pas les parents de, comment dire, de Rebecca qui ont demandé de l'argent. Vous allez vous asseoir là quand vous donnez la dot. Aujourd'hui, là, Dieu me dit, il faut tout dire. Le système là, qui combat mes enfants, il faut tout casser encore bien comme il faut. Écoutez bien, même vous qui êtes chez vous là, il faut diffuser cette vidéo. Peu importe ce qui va se passer là. Vous allez vous asseoir en comité là pour ce que quand vous appelez la dot, il y a d'abord la pré-dot. La dot. Hein? Et quand le gendre, quand lors de la dot en Afrique, ou même ici les Africains, quand le gendre hein, arrive chez les parents, là où il y a la réunion, la rencontre, eh ben, il faut mettre parfois les palmes par terre, hein, au sol. Chrétien, hein? Il faut que le gendre donne un droit d'entrée, qu'on appelle ça le droit d'entrée, donc une certaine somme. Et vous, c'est vous qui remplissez les bâtiments d'église là. Voilà pourquoi Dieu n'est plus là-dedans là. Vous cherchez les sorciers alors que c'est vous les sorciers. Qui a déjà vécu ces choses? Voilà les mains levées, vous avez vu? Du coup, il faut débattre. C'est comme si la fille est sur un marché. Hein? Une marchandise qu'il faut maintenant, on va débattre, marchander. Et quand la fille maintenant après le mariage, là, si elle est stérile, là, voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces chez les Africains. C'est-à-dire, la fille ne produit pas, alors je l'ai acheté, hein, l'homme qui a payé 3000 euros, s'attend à ce que la fille produise des choses, soit fertile. Mais les gens qui nous reçoivent dans le bureau, mais c'est comme ça. Ceux qui n'étaient pas au courant de ces choses, maintenant vous êtes informés. Aline, la réunion, les cousins, cousines, mariage. C'est la confusion. Nous sommes dans un temps de confusion. C'est pas que la réunion, hein, mais c'est les îles, là, le péché sexuel. Mais c'est partout maintenant, là, je vous dis, c'est grave. C'est grave. Vous voyez, on ne sait même plus dans quel nom donner. Là. C'est comme dans Sodome et Gomorrhe. On a dépassé Sodome et Gomorrhe. Je vous dis. Notre génération, mes amis, cette génération, elle est tellement corrompue. Tellement corrompue. Qu'on se demande, mais qui pourrait être sauvé? Qui? Qui? On nous dit que ces quatre animaux dans Daniel 7, écoutez bien, hein, ces quatre animaux, vous savez d'où ils sont sortis? De la mer, la grande mer. Vous savez comment? Pourquoi? Quel a été, n'est-ce pas, l'élément déclencheur de l'émergence de ces quatre animaux sur la scène mondiale? Qu'est-ce qui a poussé ces animaux à sortir de la mer? La mer, c'est Yam en araméen. Yam était une divinité adorée par les Chaldéens. Un démon. Et on nous dit, la mer ici représente aussi un monde, le monde. Un monde sans Dieu. Les nations sans Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un vent qui a soufflé sur la mer. Et ce vent, n'est-ce pas, c'est le vent de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui amène le jugement de Dieu. Dieu juge les nations, donc dans Daniel 7 là-bas, et ce jugement, frères et sœurs, a, n'est-ce pas, donné naissance aux quatre grands empires, quatre grands systèmes politico-religieux. Parce qu'on nous dit, mes amis, que ces animaux font alliance avec l'argile, la religion. Donc quand Dieu juge une nation, quand Dieu juge un pays, au lieu que les gens se repentent, mais souvent ils s'endurcissent. Donc Dieu juge les nations, donc cette grande, n'est-ce pas, main de Dieu qui vient frapper la mer,
Eh bien, Dieu frappe les nations. Eh bien, au lieu qu'elles se repentent, ces nations-là, ben, elles vont s'auto-organiser, n'est-ce pas, pour se dresser encore de plus belle contre le Seigneur. En mettant en place ce système qui nous a corrompus, qui nous a montés les uns contre les autres, aussi bien dans nos assemblées, bien sûr. Avec ce système de dénomination, baptiste, pentecôtiste, machin, tout ça là, chantre d'un côté, prédicateur de l'autre, tout ça là, ceux qui guérissent de l'autre. On a été départementé, on a été sectorisé, on a été complètement, mes amis. C'est impressionnant, mes amis, là. C'est vraiment là. Yeshua nous dit la parole. Yeshua a uni son peuple dans un seul corps. Il a bâti son corps. Et qu'est-ce que nous avons fait avec le système religieux, mes amis? Eh bien, on a brisé les corps, on a fait plusieurs petits corps. Et quand Dieu demande aux gens, quand Dieu nous demande de nous sortir, de sortir de là, et beaucoup disent, mais on va faire comment? On va faire quoi? Non mais attends, mais il abandonne les gens, non, mais il n'est pas sérieux, tout ça. Vous vous rendez compte à quel point on est devenu, mes amis, là, sectorisé, on est complètement, c'est la ségrégation spirituelle. Hein? C'est terrible. Hein? Est-ce que vous savez qu'en France, si un pasteur antillais ou africain veut faire partie de la Fédération protestante de France, à la Fédération protestante de France, on lui demande d'être membre de la CEAF, la communauté des églises d'expression africaine. Voyez? C'est comme ça, qui elle-même est membre là-bas. De la ségrégation spirituelle. Chez les chrétiens, c'est des gens qui prêchent Jésus, qui prêchent la croix, qui disent que Christ a uni son peuple, que Christ a brisé le mur de séparation, frère. C'est quel évangile, mes amis, que nous prêchons? C'est pour ça que nous ne dites pas que nous sommes pour Chora, nous sommes de Chora. Non! C'est pas ce que nous vous prêchons, hein. Parce que moi, ce jour-là, je vais vous renier. Je dirais, non, Seigneur, c'est pas ce que je leur ai dit. Je vous dis la vérité, frère. Tout est enregistré, tout est noté, hein. Ah non? Ah non? On n'est pas mort à la croix pour quelqu'un ici, hein. Un seul est mort à la croix pour nous. Amen. Yeshua. Et Dieu nous invite à la repentance, cette génération-là. Les gens se marient à 14 ans, ils ne sont plus vierges. 14 ans, à 2, 14, même avant, ils ne sont plus vierges. Ils vont se marier, ils ont déjà connu plusieurs. Voilà notre génération. Je parle de ceux qui ont déjà reçu la connaissance dans nos églises. Les païens, on peut comprendre, ils n'ont pas la connaissance, mais quand même. Nous qui sommes chrétiens, tu veux arriver dans nos assemblées, mes amis, la plupart des sœurs, la plupart, beaucoup ne sont plus vierges. Beaucoup, quand ils viennent te voir pour la prière, tu leur demandes, êtes-vous mariés? Ils sont chrétiens, hein, soi-disant. Êtes-vous mariés? Non, on n'est pas encore mariés, tout ça. Là. D'ailleurs, vous le voyez vous-même ici, non? Tu dis, mais qu'est-ce qui manque pour que vous vous mariez, tout ça? Pour me... Non, mais tu, on n'a pas trop le temps, mais vous savez, on n'a pas encore l'argent. On a pas... Mais attendez, vous vous rendez compte, le système religieux, là? Qui veut changer? Qui a du mal avec le péché? Oh Dieu, sauve-nous. Alors voyez, Dieu juge la mer, les grandes nations, les quatre grandes nations sortent, Babylone avec Nabucodonosor, et les Mèdes et les Perses, Darius, tout ça, Cyrus, Alexandre le Grand, la Grèce, et César, les Césars, la Rome impériale. Et ce royaume puissant, extraordinairement fort, Rome, fut détruit le 4 septembre 476, dans sa partie occidentale. La Rome s'écroule au 5e siècle. Mais Jean, dans Apocalypse 13, nous dit que cette bête, Rome, a reçu une blessure qui a été guérie. Et c'est le cas depuis des années. Depuis plus de 50 ans que cette bête a été restaurée. Et on est complètement dedans. Complètement dedans. Le nouvel ordre mondial, ça vous le savez, le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Écoutez bien, je suis convaincu qu'à moins de 10 ans, là, on va nous présenter, même à moins de 5 ans, là, on va de plus en plus parler, vous allez de plus en plus entendre parler du gouvernement mondial. Jacques Attali, un homme, un Français très connu, en parle depuis des années. Depuis des années, il nous faut, dit-il, avec beaucoup d'autres. Sarkozy en a parlé, tout ça, la bouche, le père n'a pas. Tous en parlent. Il nous faut, disent-ils, un gouvernement mondial. C'est pour cela qu'on enlève les frontières.
Mais ce n'est pas d'aujourd'hui les frontières là. Pour nous, les frontières existent depuis quelques temps, mais pour eux, les grands de ce monde, les frontières, ils n'ont pas de frontières. Nous avons la notion des pays, oh c'est mon pays, c'est ma ville, mais eux, ce n'est pas le cas. Ils voyagent, quand ils voyagent, ils n'ont pas besoin de visa. Vous serez étonné, vous, mes amis ivoiriens, camerounais, d'apprendre un jour que celui qui gère le Cameroun, ce n'est pas le président, mais c'est quelqu'un qui habite ici. Mais vous pensez que la France est gérée par les Français? Mais vous croyez quoi là, mes amis? Ou les États-Unis? On nous dit que les États-Unis, là, le pays le plus puissant de la Terre, ce pays doit a une dette de plus de 1000 milliards hein, de dollars. Mais à qui ce pays doit-il autant d'argent? Vous comprenez? Ouvrez les yeux, on est à la fin. Dieu juge, vous ne voyez pas qu'il juge la Terre? Vous ne voyez pas qu'il juge les nations? On vous parle d'Ebola, Ebola, le virus d'Ebola, tout ça, tout le monde tremble en ce moment, l'Ebola. Mais qui a créé Ebola là? Qui a créé l'Ebola? Voilà. Plus de 3000 morts. Vous avez vu l'image de cet enfant africain dans un désert complètement amaigri et avec mes amis... un vautour à côté qui attendait de le manger. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Les gens sont devenus, on est devenus méchants. Un monde rempli de méchants, d'indifférence. Vous allez dans les restaurants, là, mes amis, là, la nourriture, là, le soir, là, quand vous allez voir les gens qui travaillent dans les restos, tout ça rapide, là, la nourriture, là, tout ça, là, on le jette. On jette les denrées alimentaires. Et ceux qui ont faim, qui travaillent là-bas, qui veulent prendre, ils peuvent être renvoyés. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Alors que tu n'as pas à manger? Quel monde d'injustice! Et nous-mêmes, là, l'abondance que nous avons, la nourriture qu'on jette là, quand on mange, là. On aura des comptes à rendre au Créateur, frère. Ça va être terrible notre jugement, là. Ça va être terrible notre jugement, là, frère. Je vous dis, moi j'en tremble, hein. Parce qu'on nous dit des trônes seront établis. On a vu dans Daniel ici. On va mettre des trônes en place. Et l'ancien des jours va siéger pour juger chacun de nous ici. Le jour du jugement, les gens ne s'en rendent même pas compte. Toutes les actions secrètes des hommes, ce jour-là, seront mises à nu. Devant celui, devant lequel, mes amis, devant celui dont les yeux voient dans les profondeurs de l'abîme. Toutes les fois où tu as regardé le film pornographique, toutes les fois où tu t'es masturbé, toutes les fois où tu as menti les secrets, toutes les fois où tu as pris la femme d'autrui, le mari d'autrui, tout ça là, frère, tout est noté. S'il n'y a pas une repentance véritable, si tu tombes toujours dans le même péché, eh bien, ton péché là sera devant Dieu. Un jour, une personne a une vision, elle a vu une femme traîner un gros boulet. Elle était attachée à ce boulet avec une chaîne. Elle avait du mal à marcher parce qu'il fallait qu'elle traîne, c'était pas difficile qu'elle traîne avec elle cette charge, cette lourde charge. Et la personne s'est approchée de cette femme s'est approchée de la personne parce que la personne était avec le Seigneur. Et la personne voit que c'était un gros sexe. Et le Seigneur lui dit, elle était prostituée cette femme. Et là, là-bas, là, et bien pendant l'éternité, elle va traîner sur son sexe comme ça. Là. Toi qui fumes, pareil. Tu meurs dans le péché, tu vas fumer. Tu ne voudras pas fumer, mais tu n'auras pas le choix pendant l'éternité. Vous pensez que les péchés dans lesquels, mes amis, les hommes sont sur terre, là, vous pensez que là-haut, là, ça va être, de l'autre côté, ça va être comment là? Eh bien, ça va se multiplier par des milliards de fois. Et ça va être pour vous, là, mes amis, là, ça va être pour les gens. Mais c'est déjà le cas pour ceux qui sont morts comme ça. C'est des fardeaux qu'ils aimeraient bien, dont ils aimeraient bien se débarrasser, mais c'est trop tard. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont fragiles, qu'on est fragile, que tout peut arriver. Si on coupe le fil de notre vie, là, ces fils, on bascule. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, si tu bascules, tu vas aller où?
Là, là, tout tel que tu es là. Si la terre s'ouvre comme ça, là, tu tombes, crise cardiaque, tac, tu pars. Tu vas aller où? Le jugement. Donc plus Dieu juge, vous ne voyez pas que Dieu juge. Plus Dieu juge, plus le nouvel ordre mondial va se développer, le gouvernement mondial. Dieu juge, plus il juge la terre. Regardez les éléments, mes amis, naturels qui se déclenchent, mes amis, là, qui sont en colère, mes amis. Vous avez vu la nature? Vous avez vu le nombre d'inondations aujourd'hui? Qu'on n'a pas connu à 20, 20, 22 ans? Vous avez vu le nombre de tsunamis, le nombre de tremblements de terre, frères et sœurs? Regardez un peu la terre va mal. Même la terre est affectée par le péché. Soupire après sa délivrance. Vous ne sentez pas que le monde arrive à la fin? Vous ne sentez pas que les gens sont angoissés de plus en plus? Regardez, vous entrez dans le métro, regardez, chacun est occupé à son ordinateur, à son portable, tout ça là. Vous avez vu? On est tellement devenu individuel, on est tellement devenu égoïste, comme Paul l'a dit dans 2 Timothée 3, les hommes seront égoïstes, idolâtres d'eux-mêmes. Un jour, j'ai pris le train, je rentrais d'une province, et Dieu me dit, regarde, et je regardais, tous ceux qui étaient dans cette rame, frères et sœurs, dans ce île, chacun était, mes amis, dans son ordinateur, dans son portable, et le voisin à côté, personne ne pouvait lui parler. Tout le monde était occupé. Vous n'avez pas compris qu'on est devenu comme des machines? Il n'y a plus de dialogue. On ne se connaît plus. Système de hommes, formatage. Parfois même le voisin d'en face, de notre voisin d'en face, on ne sait même pas comment il s'appelle. Vous avez vu le monde? C'est grave. Quand on était petits, nos voisins, on les connaissait. Je vous dis. On savait qui était le voisin, il s'appelait un tel. Le voisin, même ceux qui habitaient à des kilomètres, on savait, on connaissait tout le monde pratiquement. Là. Mais regardez aujourd'hui. Les gens ont tellement de problèmes. Qui a constaté cela? On vous parle du corps médical, n'est-ce pas? Qui a déjà entendu parler de ça? Corps médical. Bah oui, mais l'âme médicale, elle est où l'âme? L'âme, elle est où? Eh bien, l'âme, c'est toi et moi. Hein? Ça, il faut savoir. Bah oui. Pour que le corps existe, il faut que l'âme soit là. Mais l'âme ne peut pas être là s'il n'y a pas de microbes. Et il faut les fabriquer. Ebola, sida. Des cancers là que vous avez, là, à cause de quoi? La nourriture qui est polluée. L'air qui est pollué. Regardez le nombre de cancers aujourd'hui, mes amis. Mais c'est hallucinant. Il y a 22 ans, il n'y avait pas autant de cancers. De cas d'AVC. Vous avez vu le nombre de la multiplication des cas d'AVC aujourd'hui? Il y a une croissance exponentielle de cas d'AVC. Pourquoi il y a autant d'AVC? Mais les gens ont tellement de soucis. Mais je vous dis, on est à la fin. Plus Dieu juge la terre, plus les gens deviennent malades. On entend là-bas cancer du sein, cancer de l'estomac, cancer de temps, cancer de la prostate. On dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive là, tout ça là, mais c'est pas. Mais pratiquement beaucoup de gens sont concernés là, c'est pas possible. On découvre des maladies psychiatriques de plus en plus. De plus en plus de spécialistes qui sont là. Vous avez vu le nombre de spécialistes d'aujourd'hui? Le nombre de cabinets d'hommes et de femmes spécialistes qui nous proposent la solution? La méditation, le yoga, l'homéopathie, la psychiatrie, la psychologie. Vous avez vu le nombre de médicaments qui sont à chaque fois retirés du marché? Parce que les effets secondaires sont dramatiques, sont énormes. Un malade
qui est déjà moralement qui est touché parce que la personne est malade, parce que la personne apprend qu'elle est condamnée, eh bien, au lieu de l'aider, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore le dépouiller. Voilà notre système. Voilà l'homme. Partout, hein, on le dépouille. Vous voulez croire qu'il y a l'homme? Non. C'est pour cela, vous qui êtes concernés. Vous qui voyez ces choses, qui vous posez des bonnes questions, c'est-à-dire la question de savoir quoi faire, vers qui se tourner. Je vais vous dire, ne vous tournez pas vers les prédicateurs. Non. Parce que même moi qui vous parle, je suis comme vous. Je cours aussi après Dieu. La solution, c'est d'accepter le système de Dieu. Alléluia. Amen. Mais accepter le système de Dieu implique beaucoup de choses. Cela implique un renoncement à ton système. Mais renoncer à soi-même, c'est compliqué. Je vous dis, c'est la chair, elle est là, présente, elle est vivante. Ah, moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, voilà le système, l'homme. Ah, on ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas n'importe qui quand même, là. Hein? Regardez comment quand on conduit. Vous voyez la chair? Que quelqu'un, mes amis, nous dépasse n'importe comment, là, tout ça, où il fait une embardée comme ça, tout de suite. Hein, après nous avoir dépassé. Voilà comment nous réagissons. Et puis on va donner l'esprit de dire, oh là 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 là. Mon enfant. Vous voyez la chair, le système de l'homme? Voilà. Et Dieu veut changer tout ça. Là. Même nos ennemis, il faut les bénir. Quelqu'un nous fait du moi. Et encore le moi. Eh bien, dis-toi avant ton problème. Tu penses que tu ne le savais pas? Dieu a permis cela parce qu'il veut te montrer à quel point tu es. Il y a l'orgueil. Qui veut mourir à soi-même? Ouais, mourir pas pour la chair, hein, c'est clair. Alléluia. Ouh. C'est ton caractère que Dieu veut. Parce que dans ce système-là, eh ben, nos caractères sont trempés. Hein, 40. Oh là, mais quel caractère là, tout ça là. Eh ben, Dieu façonne, il brise tout ça. Et quand il brise, là, ça fait mal. Hein. Hein? Le pire, c'est que tu ne peux même pas fuir. Tu ne peux même pas quitter la France pour. Même si tu quittais la France, Dieu est aussi en Belgique. C'est ça qui est terrible. Tu quittes la Belgique pour aller en Hollande, Dieu y est. Et quelqu'un l'a compris avant nous. David, il a dit, mais où irais-je loin de ton esprit? Si je monte au ciel, tu y es. Sous terre, là-bas, ta main peut m'attraper. À droite, tu es. À gauche, tu es. Laisse-moi aller seulement devant ton trône. C'est le seul endroit où je peux me sentir en sécurité. Alors, je veux t'inviter à aller devant le trône. Et pas vers moi, là, mais vers Dieu. Alléluia. Amen. Tu as couru d'église en église. Dieu est fatigué, non? Eh bien, maintenant, écoute, fais une pause. Fais un arrêt. Ça ne va pas te tuer, au contraire. Amen. Qui veut faire un arrêt un peu là? Voilà. Il y a un homme, un pasteur à Paris, que j'ai connu. Il était tout le temps en mission. Quand le Seigneur a commencé à l'utiliser, il était tout le temps en voyage, à gauche, à droite. Il était partout, partout. Et il est rentré dans le système des hommes, le système pastoral. Et vous savez ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à coucher avec des femmes. Et un jour, il a commencé à sentir de douleur abdominale. Il part voir un médecin. Le médecin l'envoie dans un hôpital urgemment. Et puis on le met dans le scanner, tout ça. On découvre que tout son intérieur avait pourri. Tout était eu. On lui dit, monsieur, vous allez mourir dans quelques minutes là. Parce que là, on ne comprend pas comment vous êtes encore debout. Il est tombé dans un coma. Et là, le Seigneur va lui apparaître. Le Seigneur lui dira, pendant des années, tu as couru ici et là. Tu m'as abandonné. Tu as pris ton ministère, tu es parti. Voilà le système des hommes. Et il a supplié le Seigneur de lui accorder la vie. Et le Seigneur l'a restauré. Voyez, c'est un Dieu d'amour. C'est un Père.
Alors, ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est quoi? Il y aura la puce qui va être de plus en plus imposée aux gens. Il y aura de plus en plus, écoutez bien, et des tensions entre les peuples, entre les pays. Le populisme va connaître une croissance exponentielle. Des partis, n'est-ce pas, xénophobes ici en Europe vont de plus en plus être au devant de la scène. Il y aura de plus en plus des cas de maladies, comment dire, incurables, qu'on n'a jamais connues, qu'on n'a pas connues, qui vont être, n'est-ce pas, et qui vont frapper hein, les hommes, des fléaux terribles. Et on va obliger, ici et là, les pasteurs à adhérer à des organisations ecclésiastiques qui sont contrôlées par la papauté. Et la papauté va s'occuper pratiquement de toutes les religions. Il y aurait effectivement une organisation ecclésiastique qui va, n'est-ce pas, englober pratiquement toutes les religions. Il y aura un homme qui sera élu à la tête de cette organisation pour réguler, pour gérer hein, toutes les questions relatives à la divinité. C'est la deuxième bête d'Apocalypse 13. Le faux prophète qui se met en place. Et ce faux prophète va travailler de concert avec l'antéchrist dont la présence est déjà là depuis 2000 ans. Et pour votre information, selon l'apôtre, comment dire, les apôtres, selon Jean également. Et on va obliger les églises, les chrétiens à être membres d'une fédération. Ça va être une obligation. Et les églises qui vont refuser vont devoir, n'est-ce pas, fermer leurs locaux. Et beaucoup d'églises vont adhérer. Beaucoup de pasteurs. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est le cas au Gabon. C'est le cas en Côte d'Ivoire où on oblige pratiquement les pasteurs à avoir hein, une carte pastorale, la carte pastorale. En fait, c'est la pyramide qui se met en place. À la tête de laquelle il y a, bien sûr, le Baphomet, la tête du bouc, le diable en personne. Voilà. Et c'est pour... En fait, Dieu permet cette exhortation pour nous montrer que nous n'avons plus de temps. D'accord? Jeunes gens, il n'y a plus de temps. C'est pour cela un conseil. Au lieu de chercher encore les églises. Ah non, moi je cherche une église. Arrêtez avec cette vision-là. Commencer à établir des réunions, à développer, à mettre en place des réunions de famille, des réunions de prière familiale avec vos maris, vos femmes et vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, nièces, tout ça là, c'est capital. C'est un conseil, hein? Vous savez, si Dieu me demande d'arrêter ici, c'est pas en vain. C'est pour aller ici et là et annoncer ce message parce que pour ne pas être moi-même pris dans tout ça là. Comme ça, tu ne peux pas être localisable, localisé. Vous voyez? Tu es partout, tu es nulle part. Voilà. Et toutes les prédications pratiquement seront surveillées. De plus en plus. Déjà il y a 6 ans. Quand je suis allé en 2009, pardon, je suis allé au Gabon, il y a quoi, 6 ans, 5 ans. À peine que je suis arrivé à l'aéroport, comment arrêter et rapatrier, comme vous le savez, sur l'ordre du président. Ouais. Donc pour vous montrer à quel point que le système antichrist est déjà là, cette corne qui fait la guerre aux chrétiens et qui l'emporte. Vous avez vu comment les apôtres ont fini? Lisez bien vos Bibles. Jacques lui a coupé la tête. D'accord? Pierre, d'après la tradition, est mort, crucifié tête en bas. Tous les apôtres, selon la tradition, sont morts, martyrs, tous. Étienne a été lapidé. C'est dans vos Bibles, hein? Vous pensez que, en servant le même Dieu que ces gens,
ces hommes et ces femmes, vous allez y échapper? Ah non. Hier, je croyais cela, mais aujourd'hui, on comprend que frères et sœurs, ah non. On ne peut pas demander à ce que le Dieu de Pierre, Jacques et Jean, Étienne nous guérisse, nous délivre, tout en refusant aussi la persécution qui accompagne son appel. Alléluia. On va de plus en plus obliger les chrétiens à avoir des cartes de membres. Si on vous le propose, quittez cet endroit-là. Parce que dans le système de l'antéchrist, en fait, il y a la notion de on enregistre les gens. Voyons, il faut faire comment on appelle ça déjà? Des recensements. Comme dans Luc chapitre 3, sous César. D'accord? Et écoutez bien, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne tiendront pas. Beaucoup vont se compromettre facilement. Parce qu'ils ne vont pas supporter la pression. C'est pour cela la solution que Dieu donne aujourd'hui, frères et sœurs, c'est vraiment ceux qui veulent vivre Dieu véritablement, c'est de s'organiser dans des petits groupes et partager simplement l'évangile entre frères et sœurs. Si vous êtes dans une assemblée qui est fédéré, sachez que il y a l'esprit d'antéchrist qui est derrière. L'église de Yeshua n'est fédérée nulle part. Nulle part. Je ne sais pas dans combien de temps. Je sais seulement une chose. Il n'y a plus de temps dans l'horloge de Dieu. Concernant bien sûr le retour du Machia. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont se réveiller un matin et vont s'apercevoir que un groupe d'hommes et de femmes, ce groupe a disparu. Et ils vont se téléphoner les uns les autres, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien. Fini. Trop tard. Et des gens vont s'arracher les cheveux. Ah, quand on nous avertissait. Ah, quand on nous parlait de ces choses. On ne voulait pas y croire parce que nous, tout ce qu'on voulait, c'était la guérison. Tout ce qu'on voulait, c'est l'argent. Et on est passé à côté. Fini. Ne laissez personne vous distraire. Ne laissez aucun ami vous soustraire de la présence de Dieu. Aucun homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. D'accord? Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Choisissez qui vous voulez servir. Donc quand vous allez apprendre, si vous apprenez qu'un chrétien est critiqué, traité de tout le nom, ça ne doit pas vous choquer parce que c'est plus que biblique. Nous sommes à l'époque où ça a toujours été comme ça. Le premier martyr, on l'a vu, c'est Abel, tué par qui? Et qui était Caïn? Son frère. Caïn et Abel priaient, ne priaient-ils pas le même Dieu? Ah, donc ceux qui vont vous faire la guerre, ce ne sont pas forcément les païens. Ceux qui ont fait décapiter, comment exécuter le Seigneur, vous savez, c'était les croyants. Quand un païen combat un chrétien, vérifiez bien, vous verrez souvent, c'est parce qu'il y a des religieux derrière. Quand le président Mabongo m'a chassé du Gabon, vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des pasteurs qui sont allés le voir à la présidence pour dire ce monsieur casse nos églises, il faut le chasser. On m'a arrêté, j'étais au B2, dans un camp militaire. On m'a pris des photos de profil et de face. J'étais surveillé, on m'a mis dans une pièce enfermée avec un militaire qui me surveillait. Convoqué par le général de la police. Et ensuite on m'a amené dans ce camp militaire pour être interrogé par le colonel qui était le bras droit du ministre de la Défense, qui est devenu le président actuel, qui à l'époque était le fils du président. Des chrétiens qui sont allés le voir pour dire qu'il faut le chasser. À la limite, il faut le tuer. Et vous savez ce qui m'a sauvé? D'abord, c'est la présence du Seigneur, parce que Dieu marche avec moi. Autre chose, quand ils m'ont arrêté,
des pasteurs leur ont dit, hein, leur avaient dit que c'était, voilà, c'était un Ivoirien qui est venu, qui nous crée des problèmes. Et quand ils m'ont arrêté, ils s'attendaient à ce que je sorte un passeport ivoirien. Ils m'ont demandé, ils m'ont demandé mes papiers, je sortis le passeport français. Ils ont fait ça. Mais comment, où est votre passeport? Vous avez mes papiers qui sont là? Mais vous n'êtes pas ivoirien? Non. Mais on nous a dit, vous étiez, non, je ne suis pas ivoirien. D'ailleurs, pour votre information, je vais appeler RFI. Ah non, ce n'est pas nous, disait-il. Parce qu'ils ont eu peur. Ce n'est pas nous, ce sont vos collègues pasteurs qui sont venus, qui sont allés voir le président. Donc la corne là qui se lève là, elle utilise, c'est une corne, mes amis, qui se retrouve dans nos églises. C'est pour cela que si vous cherchez les églises, vous allez avoir des problèmes. Cherchez Dieu. Qui n'a pas été... Quand on reçoit la vérité, notamment l'enseignement sur la dîme, comme étant une pratique de la loi, vous savez, quand on a reçu ce message avec joie, on est parti le partager avec des chrétiens en se disant, ils vont forcément croire. Vous avez vu la réaction de beaucoup? Ah non! Antichrist! Ah oui, la guerre, préparez-vous. Le système est déjà bien établi. Quand on m'a chassé du Gab, quand je suis sorti de cette prison, je dirais, au Gabon, on m'a dit, il vous reste 3 jours à peu près. Hein, donc, restez jusqu'à l'expiration de votre visa et puis ne revenez plus. Je suis rentré à Paris. En 2009, c'était en 2006. En 2009, je me suis dit, bon, je veux repartir quand même. J'ai pris l'avion, j'arrive à l'aéroport. Le colonel Bana, neveu du président, est venu me chercher parce qu'il était touché par la parole. Mais on lui dit, non, le président dit qu'il ne rentre pas. Pourtant, quand il est arrivé, tout le monde était là. Colonel. Tout le monde avait peur de lui. Mais on lui a dit, il ne pourra pas sortir parce que le président ne veut pas. Parce que les pasteurs sont derrière. C'est des gens, des pasteurs qui sont de la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, et qui se voient avec les dirigeants politiques dans les loges. Ils ont dit, il ne faut pas que la lumière entre ici. Mais Dieu faisant tellement bien les choses, même si vous refusez l'homme, mais par contre l'évangile. Amen. Dieu est esprit. Et l'évangile s'est tellement répandu dans le Gabon aujourd'hui. Waouh. La guerre. Prêcher un tel message, prêcher sur le retour de Yeshua, prêcher contre l'argent, contre la cupidité, je dirais, dans les églises, frères. Mais vous ne vous rendez pas compte de la guerre que nous menons. Il y en a, oui, mais il faut que vous sachiez cela. Paul en parlait, mais c'est une véritable guerre. Parce que ce sont des entreprises, mes amis, humaines qui tombent en faillite. On est combien ici? Là, on est plus de 200, là, tout ça. Je ne sais pas combien. Imaginez, mes amis, si on doit donner des enveloppes à chacun pour donner 50 euros. Là, beaucoup vont donner. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, dans le système religieux, plus il y a du monde, plus les gens pensent qu'il faut amasser. Et toi, quand tu arrives, tu dis que l'évangile est gratuit. Mais vous pensez, mais les gens, là, ils ont des dettes à rembourser, ils ont des loyers à payer, tout ça. Mais ils se disent, mais ce monsieur fait, mais il n'y a pas que moi, il y a de plus en plus de gens qui crient, comme moi, même plus, il y en a qui sont plus virulents encore. Hein. Que Dieu les accompagne. En tout cas, je prie pour ces personnes, ces hommes et ces femmes. Merci Seigneur, parce qu'on n'est plus seul. Mais c'est une guerre. Et vous, chrétiens, vous devez savoir ces choses-là. La guerre que nous menons, Paul dit dans Colossiens. Si vous savez le combat que je mène pour vous, c'est une guerre. Hein. On est parti en Côte d'Ivoire. On fait un séminaire comme ça. On a pris des vigiles pour... on a pris deux vigiles pour surveiller les gens qui rentraient. Ils nous ont dit, en fuyant les gens... Parce qu'on s'en doutait que les gens allaient venir armés. Ils ont dit, il y a des gens qui sont venus avec des armes, avec des silencieux. Ils m'ont dit, monsieur, il faut arrêter le programme. Parce que des pasteurs ont envoyé des gens avec des pistolets. Silencieux, ils les ont payés. Il faut en finir avec. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Vous acclamez, ah, on est délivré. Mais quand vous êtes délivré, là, ceux qui vous maîtrisez, là, ceux qui vous dépouillez, là, vous pensez qu'ils vont acclamer? D'abord, le diable n'est pas d'accord. Les bishops là qui sont...
vos dominateurs, là, tout ça, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ben. Mais malheureusement pour eux, on n'est plus seul. Et imaginez le nombre que vous êtes ici, frères et sœurs. Le Seigneur va de plus en plus servir de vous pour aller libérer les uns les autres. Donc, je dirais que, en fait, il fallait détruire ce message avant que le monde ne soit créé. Mais aussi, même si cette corne se lève, qui est une évidence, hein, d'un côté, cette corne se lève contre les vrais chrétiens pour nous combattre, mais de l'autre, Dieu suscite de plus en plus des hommes et des femmes qui n'ont plus peur de parler. Des hommes et des femmes qui hier se négligeaient Dieu et qui commencent à se dire non, on veut vraiment se sanctifier, on veut prendre nos vies au sérieux, on veut vraiment commencer à proclamer la vérité. Des hommes et des femmes qui ne savaient pas forcément gérer, qui n'avaient aucune connaissance en matière d'informatique et qui commencent à s'organiser pour créer des blogs, des pages YouTube pour diffuser la parole. Des gens qui vont ouvrir des pages, je ne sais pas, Facebook, tout ça là, pour diffuser l'évangile. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, on n'est plus seul. Parce que Dieu lève une armée, frères et sœurs. Et je vous assure, cette armée que Dieu lève, c'est une armée, mes amis, qui est revêtue d'une telle autorité. Ce n'est pas des gens qui manquent du respect aux autres. Non, non, ils ne sont pas là pour se battre. Le Seigneur a dit, si on enlève votre manteau, laissez votre tunique. Non, laissez les gens prendre ce que vous avez. Ce n'est pas grave, laissez. Il faut laisser. Allez, prenez. Cette armée-là, c'est des gens qui aiment tellement le Seigneur, qui sont tellement passionnés. Regardez à l'époque de Nabucodonosor, il y a eu Daniel. Il y aurait des Daniels aujourd'hui. Je vous dis. À l'époque d'Akab, il y avait qui? Élie. Et qui d'autre? Miché. Vous avez vu Miché? Élie, Miché, c'est des solitaires. Et vous qui allez annoncer la vérité, vous serez de plus en plus solitaires. C'est pour cela que ne me dites plus. Qu'allons-nous faire? Ah ben non. Vous êtes de solitaire. Un seul d'entre vous dans cette guerre va être revêtu, sera revêtu de la puissance de Dieu et va aller partout pour, mes amis, conquérir des villes, des quartiers pour le Seigneur. Voilà. Alléluia. Il y a un chant que j'aime beaucoup. On le chantait quand on était nouvellement converti en 86. Combattons le bon combat, en gardant bien notre foi et une bonne chance que quelques-uns ont perdu. Celui qui vaincra sera revêtu d'un blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Et je ne fesserai ton nom devant mon Père, dit Jésus. Et je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus. Vous connaissez ce chant? Combattons le bon combat. Là, quand on était convertis nouvellement, là, mes amis, on savait contre quel système on combattait. On était dans les églises traditionnelles pentecôtistes. Et on a découvert, on était petits, on a découvert l'évangile. Vrai. C'était alléluia. Et notre pasteur qui était un homme qui aimait le Seigneur, de l'église pentecôtiste où on était, l'église Assemblée de Dieu, il avait son petit salaire. Ben quand le vent du réveil a commencé à souffler, mes amis, cette année, il a commencé à sentir que son entreprise était menacée. Je me rappelle, il y a eu une réunion de diacres anciens autour de nous. En se disant, mais ils se disaient, mais ces jeunes qui sont atteints de folie, comment allons-nous faire pour les gérer, pour les calmer, mais c'était trop tard parce qu'on était déjà contaminés par le feu de l'amour de Yeshua. Eh bien, ce vent-là de nouveau arrive. À chaque fois dans l'histoire des nations du monde, à chaque fois que le mal a atteint son paroxysme, Dieu a envoyé des hommes et des femmes audacieux. D'accord? Avec un mandat particulier.
Je crois que tu as reçu un mandat particulier. Ça, je le crois au nom de Yeshua. Ouais, je le crois. C'est pour cela que tu souffres comme ça là. C'est pour cela que tu es autant rejeté alors que tu crains Dieu. Mais rassure-toi, tu ne vas pas mourir tant que la mission n'est pas achevée. Pendant plusieurs mois, on a été ici pour recevoir jusqu'en décembre, le frère. Mais je vous assure, ne vous inquiétez pas, parce que la manière dont Dieu va se révéler à certains d'entre vous, vous allez être tellement dépassé. Une grande école. Un seul prophète, Élie, faisait trembler tout un pays. Un seul. Et il y en a, ça va être le cas aujourd'hui. Juste ta présence quelque part va déranger. Tu n'auras même pas besoin de parler. Ta présence seulement. Là. Tu vas voir. C'est ça? C'est pour cela que Dieu veut que tu le craignes encore. La sanctification, la séparation, la haine du péché, du mal. Ce sont, mes amis, des qualités. L'amour, la paix, la joie, tout ça, des fruits de l'esprit que Dieu va te faire porter. Ne t'arrête même plus sur les sorciers, tout ça là. Ils sont sous nos pieds, tout ça là, mais les démons, tout ça là. Toi, tu dois te focaliser sur, n'est-ce pas, le Seigneur qui t'a mandaté pour livrer une grande bataille. Parce que tu es un combattant. Ouais, j'arrive pour toi. T'inquiète pas, j'arrive. Bonjour, ça va? Tu es venu pour la première fois? La deuxième fois. Comment tu t'appelles? Dania, quel âge as-tu? 16 ans. Tu veux confesser quoi? Je veux confesser que j'ai eu deux relations sexuelles avec une fille et que j'ai longtemps été dans la masturbation et que Dieu m'a appelé à confesser, donc je le fais. Tu as eu deux relations sexuelles avec une fille et tu n'en veux plus. Waouh! On peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs. C'est magnifique. Waouh! Démon, sors d'elle au nom de Yeshua. Jesus, quitte-la. Quitte-la au nom de Yeshua. C'est beau ce que Dieu fait. Tu habites où? Tu nous as connus comment? TV de vie. Ma mère a regardé au début et après du coup j'ai regardé. Waouh. À la fin, viens nous voir. D'accord? Okay. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit béni pour ton courage. Waouh. C'est important que les parents prennent soin des enfants. C'est la fin. Oh Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Que la puissance de ta parole, Seigneur, oh alléluia, gloire des chalalabaka. Délivre sa famille. La puissance de la. Il y a une œuvre de la sorcellerie contre ta personne, effectivement. À cause de la jalousie. Mais le Seigneur brise ses dards, ses traits enflammés de l'ennemi au nom de Yeshua. Parce qu'il y a la paix du Seigneur sur ta vie. Et le Seigneur te dit, je ne veux pas t'abandonner, je ne t'abandonnerai point mon enfant, je ne te délaisserai point. Mon onction vient sur toi pour briser ces chaînes. Au nom de Yeshua, Jesus. Oh, il y a une onction là sur lui là. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jesus, Jesus, Jesus. Il te donne psaume 45.
tu es mon guerrier, tout Dieu le Seigneur, là, au nom de Yeshua. Tu es mon guerrier et le Seigneur te dit, tu vas annoncer ma parole au nom de Yeshua. Alléluia, toute ta famille. Le Seigneur te dit, comme Josué, toute ta famille me servira. Le Seigneur va te surprendre également au nom de Yeshua. En sortant d'ici, le Seigneur te dit, toutes ces choses-là cessent au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia. Gloire à la Jéhovah. Oh, alléluia, magnifique le Seigneur. Waouh, l'onction sur moi d'un seul coup là, mes amis là. Oh, alléluia, c'est magnifique. Dieu est magnifique. Qui croit que le Seigneur peut guérir tous ces gens-là? Oh, Jesus. Tu la veux là, mes amis là? Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, Marine. C'est bon là, bientôt là, je vais te... Tu es habillé en blanc là. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Les noces, c'est pour toi, là. Le Seigneur te dit, c'est bon. Là. Je te donne les enfants également, là. Il a entendu la prière par rapport à ta famille, au nom de Yeshua, alléluia. Jesus Christ, alléluia. Par rapport à ta famille, le Seigneur va rencontrer cette femme pour qui tu as prié également, là, au nom de Yeshua, alléluia. Oh, alléluia. La famille de ton futur, là, également, là, le Seigneur va toucher leur cœur, là, au nom de Yeshua. Le Seigneur te dit ça, là. Alléluia. Tu peux dire à cet homme que le Seigneur va visiter bientôt sa famille, là, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, magnifique. Il y a quelque chose ici, là, mes amis, là. Jesus. Jesus. Oh, il y a quelque chose, là. Magnifique, le Seigneur. Oh, Jesus. Ton amour. Tout est bon, c'est bon. Le Seigneur, oui. Jésus-Christ peut le faire. Amen. Gloire à Dieu. Ça va aller. Amen. Et je veux... Lâche-la. Sors d'elle. Enlève-moi ce masque-là au nom de Yeshua. Sors d'elle, je dis, lâche-la. Oh, il y a des choses ici, là. Lâche ce corps-là. Cette sœur sera libre au nom de Yeshua. C'est bon, c'est réglé. Comment les gens sont. Ben, ça, c'est la sorcellerie, ça. Prends ça là. Applique ça sur son pied là. Vous pensez que le Seigneur peut redonner la bonne apparence à cette jambe là? Ça, c'est la sorcellerie, ça. Applique tout ça là. Vous allez voir, regardez bien cette jeune femme. Elle va revenir là, comme d'habitude. Hein. Elle va revenir avec une jambe d'un enfant. Quel âge vous voulez que le Seigneur donne? 6 ans. 6 ans. 6 ans. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Seigneur a dit, ce que vous arrêterez sur la terre, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié là-haut. Amen. Dis à ton voisin, j'ai l'autorité. Au nom de Jésus. Que cette maladie disparaisse. Au nom de Jésus. Oh Lord. Lâche-la. Sors d'elle. Sors de ce corps, nos dieux chou. Oh, alléluia. Jesus. Qui connaît Mathilde ici là? Y a-t-il une Mathilde ici là? Mathilde, c'est toi? C'est toi? Viens, on acclame le Seigneur. Je me tiens dans ta présence. C'est vrai, quand on prie pour les gens comme ça, tout le monde doit participer. Hein? Parce qu'on est l'église du Christ, on est les frères et sœurs, on participe pour que nos frères et sœurs soient libérés de l'emprise de la maladie. C'est bon, c'est réglé. Oh là. Hein?
Ça vous fait. On a fait tout le vieux Évry, aujourd'hui depuis le bas de Évry jusqu'à ta que je suis arrivé ici. J'ai dit Dieu, s'il me faut, m'envoyez pour le passé. Ben, on va prier. On va prier. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Au nom de Yeshua. Oh, Dieu l'a guéri. Qui croit que le Seigneur peut la guérir, là, mes amis, là? Jesus. Ah, ben, c'est réglé. Hein? C'est bon, c'est réglé. Qu'a bénisote. Hein? Dieu bénisote. Elle a très mal. Tout est réglé. Tout est réglé. C'est la totale. Dieu lui a donné la... Hein? Tout est... D'accord? Tu vas revenir, tout ça, là, pour... Mathilde, c'est toi? Voilà. Mathilde, il y a ta commande qui arrive au ciel. La livraison est faite aujourd'hui. Jesus Christ. Oh Lord, alléluia, alléluia. Oh Lord, my God, alléluia, alléluia. Mm-hmm. Donc, c'est bon. Le Saint-Dieu ne pleure plus, c'est bon. C'est réglé. C'est réglé.